now with a bit Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et pour toute votre famille. Si tout se passe bien pour vous et pour tous vos proches, c'est bien. Tant mieux. J'espère en tout cas que tout continuera à bien se passer pour eux et pour vous. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu vidéo qui s'intitule The Very Organized Chef. Voilà, vous étiez très nombreux à me proposer des jeux parce que je vous avais demandé de venir me rejoindre sur mon Twitter qui est @gamex13 pour me proposer des jeux tout simplement. Et j'ai vu que vous étiez très nombreux à me proposer ce jeu où on va être des cambrioleurs. Alors oui, je vois tout de suite les petits rigolos qui vont dire deux arabes qui font des cambriolages. Coïncidence, je ne crois pas. Bref, en tout cas, on est là tout simplement pour s'amuser et pour s'éclater avant tout, comme d'habitude les frères et sœurs. Ce jeu m'a énormément rappelé le podcast qu'on avait fait sur ma chaîne Abdel Pas Drôle avec Momo. D'ailleurs, le podcast sera mis en description pour ceux qui veulent aller le voir. Ce podcast, c'était entre guillemets moi et Momo qui faisons des cambriolages, donc n'hésitez pas à aller la voir. Bref, t'es prêt, on y va? Ouais, let's go. Donc, on doit tout simplement voler, c'est ça? Oui, on a une liste où il y a plusieurs, par exemple, je dis n'importe quoi, télé, ordinateur, il y a une liste avec Q. Si je me trompe pas. Q? Ouais, tu sors la liste avec Q. Voilà, abus. Ah, faut que je reste appuyé. Et on a, attends, on a une tablette, un téléphone, une guitare, un DVD, un DVD. Un painting. Un painting, un toaster. Un toaster, painting, gold bar. Gold bar, je sais pas ce que c'est. Gold, c'est argent. Non, c'est or, gold. Dans la cuisine? La clé, je pense, c'est pour ouvrir la porte de l'entrée. Alors... Abdel, il faut trouver ça sert à quoi la clé. Soit pour ouvrir une porte ou... Tu m'as dit qu'il y a le monsieur qui doit venir aussi. Ouais, dès qu'on entend... Donc là... Non, ça on peut pas le voler. Non, là ça veut dire je crois qu'il arrive si je me trompe pas. Il est en route. On va monter en haut. Non, faut que tu cherches les choses. Oui, bah on va monter chercher. De partout. Oh, il y a de l'argent. Bah... Avance un peu. Recule un tout petit peu. Voilà, on a réussi. Dans la poubelle, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Nickel, ça c'est sa petite chambre. Alors attends, on va voir ce qu'il y a. Un truc. Non, il n'y a rien. Oh putain. Là-dedans, il y a quoi là-dedans? Un coffre. La clé. Ça marche pas. Il faut un code. Le code, on doit le trouver, ça veut dire. Le trouver. Ah, c'est la chambre d'ici. Et le code, il est où, ça veut dire? Cherche dans les placards là, dans les tiroirs et dans les placards. Attends. Oh, retiens le code. 62 80. C'est bon, je l'ai retenu. Hein. On a réussi le cambriolage là. Allez, vas-y, vas-y, vite. On a réussi le cambriolage, mon gars. Vas-y, vite, il va arriver. Mais non. Bah, si. Il est là. Ah oui, on entend sa voiture. Oh. Ouais. Ouvre. Oh là là, Gold bar, t'as vu, je t'ai dit, c'est de l'or. Bouge plus, éteins ta lampe. Attends. Bah attends, c'est où déjà pour éteindre? Merde. Ah, c'est là. Une guitare, une tablette. Je crois que je l'ai vu, elle est sur le salon. Pourquoi tu chuchotes en fait en étant dans la maison? La guitare, je crois que je l'ai vu tout à l'heure, elle est dans le salon. Donc les frères et sœurs, il faut qu'on trouve la tablette, le téléphone, la guitare, le DVD. Et le téléphone. Et le toaster. Et le Strump Album. C'est peut-être un truc pour écouter la musique, tu sais. Ah oui, non, le Strump Album, c'est le truc rond, tu sais, des années 80. Voilà, pour écouter la musique. Viens, on sort. On sort? Ouais, vas-y. Comment on fait déjà, ouais. Si tu le vois, tu rentres, tu fermes la porte. Il va venir derrière toi, vite. T'es sûr? Oh, c'est un démon, ce truc. Il voit pas.
T'es sûr que c'est une personne et que c'est pas un screamer cette merde là? Oh, il s'est cassé, il a disparu. Bah il est là. Ah ouais. On peut pas lui jeter un truc ou quoi là? Non. Comment on peut faire du coup pour passer sans qu'il nous voit? Et ben là tu vois il te voit pas, donc il faut pas être dans son champ de vision. Oh putain de merde. On va rentrer là-dedans. Je crois qu'il a entendu. Non. Avec tout le boucan qu'on a fait, tu crois? T'as tout le boucan de perso. Oh putain. Ah c'est trop chaud, ça fait flipper là. T'as la pression du mec, t'as peur qu'il vient. Mais mon gars, c'est quand qu'il t'as vient? T'as cherché dans le deuxième placard? Parce que t'as cherché dans le premier, pas le deuxième. Si, le deuxième je l'ai fait. On a pas le choix, je crois. Ouais, mais fallait bien qu'on avance un jour. Vite! Faut faire vite maintenant! Vas-y, allez! Faut faire vite, faut faire vex! Q, y'a quoi? Y'a un téléphone, donc c'est obligé dès que le téléphone là-bas. Tablette. Tablette. Ça se récupère. Ah, c'est ça, hein? Non, non. C'est un téléphone, c'est un téléphone. Non. Cherche sur la table là un peu. Oh yes, nice. C'est bon, ça on a pris. En haut, va vite à l'étage là, y'a rien. On perd notre temps ici. Toi, je sais de ramasser tout, y'a rien là. Faut vite, il va arriver. Nickel. On va dans la chambre principale, à la fin on y va. Putain, on dirait, tu sais, quand maman elle nous envoie faire des courses des fois, tu vois. Ouais. Le mec, il a carrément pris un truc. Tu sais, d'habitude, quand tu rentres pour voler une maison dans la vraie vie, tu sais, tu prends pas. 20 ans. T'sais, non, c'est pas ça. Tu prends pas un menu, mon frère. Tu vois, tu voles tout ce que tu trouves. Ouais, encore, tu mets pas une liste. Enfin, je comprends pas pourquoi il a fait ça. Ouais, il a fait une liste. Chaîne. Lui, c'est un voleur organisé. La guitare. Allez, on y va. Il est là. Oh! C'est mort, il est en train de fermer sa porte. Éteindre la lumière! C'est pas moi! Vas-y. Ouvre le placard, t'es au placard. Lui du bas d'abord, lui du bas. Parce que... Tout de suite? Ouais. Alors, je retiens. 58. Attends, non, 58-89. Je le retiens. Y'a pas d'objet à voler ici. Oh, faut pas qu'elle l'entende. Combien le code déjà? 58-89. 58-89. Chut, retenez bien vous aussi. 58-89! C'est quoi le code déjà? Ça me fera toujours marrer quoi. Une liste. Non mais depuis quand un voleur a une liste, bordel? Un voleur ne respecte rien! Un voleur c'est un thug life! Il prend tout! Sérieusement les mecs, est-ce que vous pouvez me citer le nom d'un seul voleur qui volerait une maison? Hein, d'accord? Pour essayer de voler des objets? Eh ben toi déjà, tu fais ce. Non mais c'est pas ça! Mais qui laisserait des écrans plasma dans la maison? Hein? Il prend un toaster des consoles et il laisse. Oh, je prends le toaster, faut que je me fasse des toasts le matin. Non mais quoi? Oh non. Jelly box. C'est mort. Oh non. La jelly box elle est en bas. C'est la box orange. Elle est où la jelly box? Je sais pas. Les gars, vous l'avez pas vu vous la jelly box? Ça veut dire quoi déjà jelly box? Je crois que c'est le truc là, t'as les CD là, tu mets des CD dedans et ça chante. Non, ça c'est DVD. Jelly box. C'est quoi la jelly box? Attends, laisse-moi courir d'abord. En train de courir en fait. En train de courir là. Non, tu sais pas, tu cours même pas. Putain, arrête de te taper. Oh putain de merde. Non mais c'est vrai, comment. J'ai fermé la porte normalement. Ferme la porte. Oh putain. Non. On va arrêter là, je pense, ouais. On va arrêter là, parce qu'on est nul. Il va falloir le refaire, la prochaine fois, il va falloir utiliser Google Traduction pour les trucs, pour bien les trouver, pour bien savoir ce que c'est à chaque fois, parce que c'est un peu la guerre pour trouver les choses. Ah, parce que oui, notre voleur à nous, c'est pas le genre de mec qui vole comme ça pour le plaisir. Il met une liste. Il fait une liste, lui.
Il me faut ici, il me faut ça. Je suis dans une maison spécialement pour ci, pour ça. Voilà. Je vais essayer Game X13 pour voler un bic parce que j'ai besoin d'un bic pour aller en cours. Et je vais voler une clé. Tu vois, le mec, il va aller chez moi pour voler rien que les deux choses. C'est un voleur respectueux. Au moins, c'est un voleur qui a des valeurs. Tu vois, il a des règles. Il a des listes. Il y a juste des écrans. Tu sais comment on appelle ça? Non. Un voleur listeur. Oh la blague, oh là là. D'accord, c'était de la grosse merde, hein, d'accord. Bon, bref, frères et sœurs, c'était histoire de vous... Enfin, de faire en sorte que vous vous sentez un peu supérieur en termes de blague, parce que, ouais, c'est vrai que là, la blague n'était pas du tout lourde. Bref, je vous remercie en tout cas de nous avoir regardé, de nous avoir écouté, j'espère que ça vous ait régalé, tout simplement, le fait de venir voler une maison avec nous, et parce ça que vous oui, hein, oui, c'est pas très français, je sais, mais j'espère que vous vous êtes régalé, voilà, du fait de venir voler une maison avec nous, et oui, en cas où, même si vous vous dites genre, ah ouais, nous on n'a pas participé au vol et tout, non, pour moi vous avez participé, vous êtes témoin, donc vous êtes autant des voleurs que nous, donc vous avez participé à un vol. Voilà, je suis désolé. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. Et on verra si je vois vraiment que cette vidéo vous a plu. Pourquoi pas refaire une éventuelle suite avec Momo où on essaiera de trouver tous les objets. Bref, prenez soin de vous, de votre famille. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, abonnez-vous pour plus de vidéos. On vous dit à très très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.